Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم مولانا صدیق احمد منور صاحب مرکزی ریپرزنٹیٹیو امیر جماعت پریزیڈنٹ لا سیشن مولانا صاحبان شیف رئیس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Dans un verset qui nous finit là, qui trouve dans Surah Tauba, verset 128, c'est-à-dire un verset juste avant le dernier verset, Allah dit, assurément, un messager finit vers eux, parmi eux-mêmes. Il gagne beaucoup, beaucoup la peine qu'ils tombent dans difficulté. Et il bien ardemment désire qu'ils gagnent bien-être et aban croyant. Il y en a beaucoup de compassion et de beaucoup de montrer beaucoup de miséricorde. En fait, quand nous causons le Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, en aucune façon nous pas capable limite sur bonne qualité à sa cinq qualités qu'il mentionnait dans sa verset là. Il y en a une qualité innommable, beaucoup même, qui fait qu'Allah dans le Coran Sharif fin qualifier lui comme Taha, l'homme parfait, fin qualifier lui comme Yassine, le chef parfait, et fin qualifier lui comme le modèle parfait quand Allah dit le qad kana lakum fi rasulullahi uswatun hasana, c'est-à-dire qu'ils étaient là dans le prophète d'Allah un modèle parfait. Mais seulement pour les besoins de sa discours aujourd'hui là, nous pour concentrer sur sa cinq grandes qualités qui fin mentionnées par Allah lui-même dans sa verset du Saint Coran. En fait, sa discours là lien est basé loin discours beaucoup plus élaboré qui est fait par Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed, Khalifatul Masih Sani, Muslim Maoud Razillah Talanho, à l'occasion d'une conférence de Siratul Nabi à Lahore le 8 novembre 1931. Hazur dit que ça c'est un verset, il est bien petit, mais là-dedans il contenait cinq grandes caractéristiques de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'Allah dit un messager. Fin vin vers eux. Un messager qui parmi eux-mêmes, il gagne beaucoup, beaucoup la peine quand ils tombent dans la difficulté. Et il est bien, bien content qu'ils ont gagné bien-être. Et il montre beaucoup de compassion et miséricorde envers les croyants. Dans ce verset-là, première grande caractéristique qu'il nous trouvait pour le saint prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a une caractéristique qui est bien cachée avec Bandimoun. C'est pourquoi les Européens, systématiquement, ont fait une objection contre le Saint-Prophète. Il dit, sa qualité qu'il mentionnait ici-là, c'est que jamais Hazrat Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, il était envie de venir de l'avant. Il était envie que Dimoun fasse son éloge. Jamais il était envie ça. Il dit tout le temps, il finissait, il ne reste pas derrière. Il n'y a pas de aucun honneur mondain, excepté qu'Allah lui-même, à travers Soban l'aude, à travers Soban instruction, Allah fin donne-lui ça l'honneur là et fin fait l'ivin divin. Hazrat Muslim Maoud dit comme ça qu'avant qu'il finit là, Nabouat, il tient une grande, grande qualité. Sa bonne qualité, comment? Il tient du monde véridique, il tient du monde rempli de sympathie, il tient du monde qui tient l'amour dans son cœur et il tient un désir pour que les autres du monde progresser. Mais seulement, personne n'est pas capable de prouver. Qui ça dit moun là, malgré l'itina sa bonne caractéristique là.
li ti envie ki ban di moun fè so éloge. Li dire malgré le fait qu'il tient à toute bonne qualité, qu'il est capable d'être le leader du monde, mais là aussi, aussi longtemps qu'il n'est pas fini, vin prophète, il est capable de ne pas derrière et de ne pas venir revenir par devant. Il dit comme ça qu'il est capable de trouver que malgré qu'il y a cette bonne qualité là, il tient à un grand grand et il est capable d'être leader, c'est comme dire le meilleur leader dans le monde, il est capable d'être ce leader là, mais seulement lui qui vient faire, il vient choisir le rare hira. Quand là-bas, le final, rôde l'amour de soi là. Et il dit comme ça, que quand nous guettons ça, nous pas capables d'accepter, reconnaître, que malgré le fait que le Saint-Prophète, il tient toutes les qualités pour venir un grand, grand leader, mais pendant 40 ans, il fait une cachette, il n'est pas revenu devant. Et il dit, là, dire, ça, c'est un démon qu'ils ont besoin d'accepter, qu'il est venu avec révélation. Il peut pas nanger dans ce qui est pour lui une fameux, quand dire pour lui une fame. Nous finons envoyer lui comme prophète. Et là, l'État nous envoie lui comme prophète. Là, tranquillement, il finit d'accepter. Il finit de venir de l'avant. Je vous le dis comme ça. Ça, c'est une qualité, un trait de caractère que chaque prophète possédait. Et puis, il n'y a aucune religion dans le monde qui est capable de contester ce trait de caractère du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples qui nous sont capables de citer pour montrer ce trait de caractère-là dans Hazrat Moussa. Dans Hazrat Isa bin Maryam, dans Krishna, dans Gautama Buddha, même dans Hazrat Zoroastre. Mais seulement, qui fait, malgré qu'il va accepter toute sa même qualité là dans les autres prophètes, là aussi, ben là, les autres nier sa trait de caractère du Saint Prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Si nous guettons un ticket. Si nous avons un petit exemple, nous avons un exemple. Le premier exemple que nous sommes capables de prendre, c'est l'exemple de Hazrat Gautama Buddha. Il dit, lui, ça l'exemple-là, il trouve dans l'Ensa. Il dit, quand il quitte sur la case, il peut aller, un de ce madame qui est bien, bien content, ce madame-là, il peut dormir. Il dit, tu as envie de lever ce madame. Mais seulement, il ne peut pas faire ça. Parce que il pensait, pendant ce madame-là, une manifestation de son amour, il peut capable empêcher le rôle d'Allah. Il dit, là, il a décidé d'aller sans qu'il vienne sur madame. Et il finit dire avec lui-même, qui aussi longtemps qu'il ne m'a pas gagné Allah sur l'amour, il ne pourrait pas retourner. Il dit, est-ce qu'il y a un musulman ou un hindou qui est capable de venir un tel léquerre, qui quand il finit lire ça incident-là, ce léquerre par, comment dire, mou. Il dit, en fait, Hazrat Gautama Buddha, il finit aller partout où tu veux aller. Et il est là, quand il finit gagner l'amour d'Allah, man di moun fin vin vers lui, je finis dire, fais-nous venir un élève. Fais-nous venir un élève ou un disciple. Mais seulement, il finit refuser. Il finit baisser la tête en bas. Jusqu'à ce qu'Allah dit, mais allez aujourd'hui à l'ancien Bandimoun. Là, il finit l'ancien Bandimoun, la religion. Dans le cas de Hazrat Moussa, salam, nous trouvons qu'il tient un prestige et honneur parmi son peuple. Mais jamais il n'y a pas de envie de chef. Mais quand Allah finit donner une responsabilité, il dit, toi, tu es venu sa chef là. Là, il dit, Allah, il dit, oh Allah, lui, tu vous meilleur donne ça à mon frère Haroun. Parce que lui, il n'a plus de capacité que moi. Mais seulement, Allah fait choisir lui. Allah fait dire lui, mais allez toi-même. Dans le cas de Hazrat Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah révèle lui, il dit, ikra, lire. Il répond, il dit, ma ana bekariin. Je ne connais pas qui m'a besoin de lire. Même dans le grand, grand livre de tafsir, Hazrat Mustafa Oud dit comme ça, parce qu'il n'y a aucun document écrit à ce moment-là qui nous donne, il dit, lire. C'est seulement un kitsur qui Hazrat Jibril alayhi salam dit faire oralement. Mais seulement quand Hazrat Jibril alayhi salam trois fois finit insister, il dit lire, là il finit lire. Huzur dit cet événement là montre nous que Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam il pas tient envie venir devant lui. Mais seulement Allah tient envie envoyer lui comme le guide du monde. Et quand Allah il a envie envoyer quelqu'un comme le guide du monde, puis n'a personne qui est capable d'arrêter lui, puis n'a personne qui est capable d'empêcher lui. Il dit sa qualité du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam là, il y en a tellement ressemblance avec et similitude avec les autres prophètes qui tout ban les autres démons qui suivent ban les autres prophètes ban les autres religions. Si vous réfléchissez, vous guettez les autres propres prophètes, vous pouvez immédiatement accepter que sa caractéristique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'est pas tiré de bine de l'avant mais qui est là qui l'envoie lui, sa qualité là, c'est qualité de ban prophète ça, c'est pas qualité de ban leader de sa ban chef du monde. Une deuxième caractéristique que Hazrat Moussa Maoud dit et mentionné dans sa verset là,
Ce qui dit, li pou en parmi zot même, min an fose koum. Il dit comme ça, qui ça, li très très important, ça li paraît une affaire bien bien simple, mais il y a une signification bien 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 profonde. Il dit, c'est une grande qualité, et c'est une grande caractéristique. Et si vous assisez, vous capable de réfléchir, vous pouvez trouver qui ça li donne Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, un statut spécial, grandiose, parmi tout ban guide et tout ban chef religieux, tout ban prophète. Dire comme ça, tout ban prophète, je dis tout le temps, que le but de votre venir, c'est pour votre provide, pour votre montrer un bon exemple. Et il est évident que pour votre cas montrer ça l'exemple là, votre même votre misère passe par sa ban l'état, sa ban situation. Et là, je suis capable de dire comme ça, que ça va une petite chose qui vient d'arriver, ça va un problème qui vient d'arriver là, je suis un modèle et je suis un guide pour ça. Je dis, c'est pour sa raison là, qu'il y a un chrétien, malgré qu'il se dit que Hazrat Isa bin Maryam, le garçon d'Allah, mais seulement je suis accepté, je suis convertir en un être humain. Fais-le venir un être humain pour capable dire qu'il y a un modèle pour Bandimoun et qu'il y a un guide pour Bandimoun. Je dis, de la même façon, je suis un hindou croire qu'Allah soit un avatar. Je suis venu dans le monde dans la forme de man humain pour qu'ils soient capables d'agir comme un guide pour les gens. Il dit que parce que c'est la croyance dans toute la religion, ça, qui les gens sont le meilleur guide pour les gens. Pour dire que les prophètes, c'est faisait de les gens sont le meilleur guide pour les gens. Il donc, dans sa verset là, un autre verset, comment dire, l'autre qualité qui nous trouvait de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il tient les gens. Et il dit qu'il y a là dans le Coran, il donne l'autre, dire. Qul innama ana basharum minkum. Diazot qui est seulement un être humain pareil comme azot. Le diazot au Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Dans tout ça l'état qu'ils ont vu passer là. Sac l'état. Moi aussi m'ont vu passer et c'est moi qui je guide meilleur. Alors comparé avec les autres prophètes, nous trouvons que Hazrat Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des prophètes et le meilleur des guides. Le dit par exemple aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de dire que Hazrat Isa bin Maryam n'est pas un grand prophète. Il est un très très grand prophète. Le Coran donne témoignage qu'il est un grand prophète. Mais seulement, est-ce qu'il est capable d'être un guide pour toute l'humanité et pour tout le monde? Par exemple, il n'y a aucune preuve qu'il est un monde marié. Et donc, il n'est pas capable d'être un exemple pour un monde marié et comment il peut amener la vie familiale. Il dit jamais Hazrat Isa est un roi. Alors, il n'y a aucun roi capable de venir aujourd'hui dire qui Isa bin Maryam, c'est mon guide comme les rois. Il dit seulement, pareil comme dans sa mot qui servit, un fossekoum, il dit qu'il inclut les pauvres, les riches, les rois, les sujets, les qui oppressés. Il dit donc, Allah dans le Coran, dans sa verset là, peut dire ô l'humanité, pendant aucun état qui ne traverse les autres, que ce soit n'importe qui a l'aider l'état, travail ou ça n'importe qui a l'aider l'état. Qui Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam lui personnellement lui pas fait une traversée. Il dit que ce soit en termes de royauté, de pauvreté, de pouvoir, d'oppression, de la vie mariage, comme un parent, comme un laboureur, comme un commerçant, comme un dimoun qui dans le besoin, n'importe qui groupe qui ou tombé. Il dit oh moi Allah mudjazut qui Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam laqad ja'akum min anfusikum. Pena personne qui capable à penser que Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ne passe pas à une étape là. Il dit comme ça, le final dans chaque étape. Et si vous guettez, vous comprenez cette situation là, vous trouvez qu'il y a une solution à tous les problèmes qui vous tenez. Et là, Hazrat Moussa Maoud, il finit prendre une série d'exemples depuis dans la vie de Hazrat Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je prends quelques exemples pour mettre devant mon frère et ma soeur. Il dit laisse-nous guetter un peu. Il dit laisse-nous citer l'exemple de la vie antérieur, il dit un peu dans la vie, il dit avant qu'il tienne l'imine prophète, sur la vie antérieure, quand il est trop jeune. Il dit, il passe sur la vie comme un yatim, comme un orphelin. Il dit, même avant sur naissance, son papa t'y finit mort, et dans son enfance, son maman t'y finit mort. Mais seulement son dada, il agit comme son papa, et il montre lui qui était une bonne morale. Il dit, Hazoul dit comme ça, pour dire l'orphelinat, l'orphelin est capable dans deux façons ça. Il dit, un comme un parent adoptif là, je prends un enfant là, je mets le sur la tête, et je gâte lui. Il dit, là, ça, l'orphelin là, il n'est pas pratique dans une bonne manière. Il dit, au contraire, là, sur une manière vient bien, bien mauvaise. Il dit, de l'autre côté, où on a un qui dit que ces enfants là, n'est pas nos enfants ça. C'est un autre type d'adoption. Et là, je te montre, je suis bien, bien sévère vis-à-vis de ces enfants là. Et tellement strict
qui dans sa circonstance là, sa enfant là, sa détermination, de casser, de finir comment dire complètement. Il dit mais seulement depuis son enfance, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il tient telle façon qui même son camarade, son compagnon raconté qui dans la case, jamais il est parti pour la guerre, ou ça dit pour venir devant, pour être capable de gagner quelque chose, ou ça dit gagner support. Au contraire, il dit pour assister tranquille, il dit pour attendre. Là, ce tchachi, il dit pour venir, il dit pour donner support. Son maman de lait, il dit comme ça qu'il tient un tel niveau d'obéissance, qui même les enfants de sa époque là, je suis extrêmement surpris. Son frère de lait, je te rappelle, je dis comme ça, jamais il n'est pas rentré dans ma conversation vaine. Il dit pour faire joke, oui, mais jamais il n'est pas cause menti. Même dans ce niveau-là, il tient un niveau de sympathie dans ce lequel est tellement extraordinaire, qu'il y a des enfants qui viennent lui, ce type de dialogue, ils viennent sardar, ils chef. Donc, ce l'enfance tellement remplie de pureté, qu'il y a des Européens, je t'écris, je dis que sa période de ce lavis-là, il est tellement immaculée, on dit tellement propre, tellement pure. Qui certainement a besoin des enfants, fou ça, pour capable venir à sa qualité de la vie. Aujourd'hui, j'ai donc envie de dire une nouvelle théorie, qui si un enfant sur action, il est bon, sur une habitude, il est excellent, mais certainement ces enfants-là, il a besoin d'un monde qui est fou. Donc, là, je vais vous dire comme ça, il vient mettre beaucoup, beaucoup l'emphase au traitement de parents. Et il vient donner le cas de respect et l'honneur à Hazrat Abu Talib avec son madame, qui n'est pas capable même de trouver parmi ses propres enfants. Quand dit Abu Talib sur mes enfants, il dit le moment que tu es dans la conquête de la Mecque, man dit mon fin dit man ya Rasoulallah, que tu peux rester. Il dit sans aucune colère, il fin venir, il fin dire est-ce qu'il Akil, il fin quitte quelque chose que tu es capable de rester. Akil c'était son cousin, le garçon de Abu Talib. Pour là veut dire que dit qu'Akil il vend tout. À travers ça, il dit pas seulement montrer son amour pour le ce tata comme ce quand il montrer dit quand c'est son papa, mais il vient aussi montrer une instruction qui personne n'a pas le droit de dire ouf à mes parents. Sans même traitement qu'il finit de faire vis-à-vis de ce tchatcha. Quand il finit, avant qu'il finit de devenir un prophète, je vous dis pour raconter un incident bien, bien étrange qui finit d'arriver dans ce la vie. Il dit la persécution qui arrive au maximum dans mon cas. Mon responsable, mon chef de mon collège, finit appel à Abu Talib, je finis de dire si Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas arrêté, mais n'est pas arrêté de se propager ce dîne. Mais toi, tu as gagné beaucoup de problèmes. Et là, quand Hazrat Mohammed Mustafa sallam, il retourne la case. Il fait un appel à l'Inde, il dit, oh mon garçon, mon chef de la Mecque peut dire comme ça, que si tu n'as pas arrêté, tu as gagné beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais il n'y a aucune politique qui nous capable d'adopter pour qu'il soit capable de gagner ta satisfaction et ben là aussi gagner consolation. Je veux dire comme ça, que ce moment-là, je pense, moi, qu'il y a un moment extrêmement difficile, extrêmement émotionnel pour Hazrat Mohammed Mustafa sallam. Il dit comme ça, un côté, un dimoun qui finit de donner tellement l'amour et qui tellement lui compte dans sa dimoun là, qui s'y a un piquant pic dans sa dimoun là sur ce talon. Sa dimoun est capable de sentir extrêmement, comment dire, et blessé. Et sa dimoun là, ben chef de collège peut menacer, peut dire comme ça, je peux déshonorer. Mais de l'autre côté, il a la véracité, la vérité qu'elle a fini de donner. Et là, il dit sur lesquels se lisait rempli avec l'homme. Il dit, oh mon tchatcha, je suis disposé à faire face à n'importe quelle qualité de difficulté. Mais seulement, je ne suis pas capable de faire ça. Le message d'Allah, arrête de propager. Ça, je ne suis pas capable. Là, Hazrat Abu Talib, il connaît bien qui répond à Hazrat Mohammed Mustafa Sassam pour Andi. Et il finit de dire comme ça. Mais tu connais, oh mon garçon, mon neveu, allez, fais ce qu'il te a pour faire, ce qu'elle a à faire. Moi, à tes côtés, je suis pour supporter toi. Quand il tient un jeune homme, il finit grandi. Parmi les Arabes, il n'y a pas aucune la loi, il n'y a aucun code de conduite. Ben Dimoun, tu peux prendre beaucoup de, on dire, d'honneur, ça tu peux gagner beaucoup de fierté pour les affaires illicites qu'ils tu peux faire vis-à-vis de madame, je peux dire, tu peux garder madame, tel Dimoun, tu peux dire, telle madame, tu es mon maîtresse, telle tu fille, tu peux faire l'affaire. Dans ça l'environnement là, tu peux faire presque impossible ça pour qu'un Dimoun capable de grandir. Pareil comme Hazrat Mohammed Mustafa sallam fin grandi avec sa grande qualité morale. Ben là t'appelle lui Amin. Ben là fin appelle lui Siddiq. Et ça y est important de comprendre quelque chose. Quand Dimoun est Siddiq, je vous le dis comme ça, pas veut dire qu'un Dimoun n'est pas un menteur. Il dit dire que le Saint Prophète sallam pas tient de mentir. C'est une offense à ce statut.
Il dit parce que le siddique est beaucoup beaucoup plus grand qu'un dimoun qui cause vrai. Il dit ça un dimoun qui dans toute chaque partie sur la vie, il y en a une vérité. Il dit donc il y a un dimoun qui dit siddique. Il dit comme ça qu'il y a une fois il fin dit un habitant de Mecca, tellement il y a un dimoun vrai. Il dit un habitant de Mecca, il dit bouté, il dit oh ban habitant de Mecca. Si moi dis autre qui derrière ça ban montagne là, il y a une armée qui ne paraît pour venir attaquer autre là. Est-ce qu'ils ont pour croire moi? Ben là, j'ai dit, oui, Mohamed, nous pourquoi toi? Hazour dit comme ça, même si tout le monde connaît qui sa place là, tient place désert, et qui si un monde qui monte le Safa avec Marwa, je dis pourquoi trop bien, bien devant eux. Et je dis pourquoi connaît qui vraiment, puis n'a aucun homme qui est capable de attaquer eux là. Mais seulement, malgré qu'ils ont lisé, puis dit à eux qui s'acquitte de choses là, puis n'a l'homme. La cause, la véracité, qui Mohamed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tient du monde véridique. Je suis disposé pour dire, je te lisais, oui ou pas cause menti, nous lisions pas cause menti. Mohamed qui pas cause vrai. Tellement les gens disent, je pas cause vrai. Alors, ça, c'est quelque chose, là, Hazrat Nakhli Fatima, sans y dire, c'était le Saint Prophète Sallam sur l'exemple, qui les gens disent, parmi les autres, les gens pas cause vrai, et les gens disent, véridique. Les gens disent, ce comportement vis-à-vis des gens qui sont enfants, je vais sauter un petit peu, je vais dire comme ça, nous tout connaissons. Qui quantité ban nous ban enfants nous va dire quand nous arrivons nous quand nous une dada nous ban enfants en bas âge alors ce qui quantité l'amour nous manifester pour nous ban grands enfants c'est dire quelquefois nous une négligent concernant service quand dire ça ban enfants là et protection des droits de ban les autres c'est dire mais seulement Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam il dit bien bien prendre précaution même dans sa petite chose là c'est dire un jour ban la finamen quelques dates comme sadka ban pauvre. Il dit Hazrat Imam Hussein, qui a encore des enfants et qui Hazrat Muhammad Sassam est extra content. Il dit à ce moment-là, il est présent. Et il fait une trappe, une date, il fait mettre dans la bouche. Et là, le Saint-Prophète Sassam fait une tire ça dans la bouche. Il fait une dire comme ça, ça c'est quelque chose de droit de bande pauvre. Je vous dis, 10 mazines en coup, combien de monde nous pouvons trouver dans le monde là aujourd'hui qui est capable de prendre sa qualité de précaution, sa qualité qui est là. Il dit généralement, concernant les enfants, nous tout y pouvons dire. Les innocents, les ignorants. Mais ici, il y a ce petit enfant qui ne prend un seul dat. Mais là aussi, il finit retirer ça dans la bouche. Il dit, ça, c'est droit de bande pauvre, ça. Ce comportement comme un papa. Je vous dis, qui ça n'a pas connu Hazrat Bibi Fatima? Radiallahu ta'ala anha. Il dit, c'était la fille bien-aimée de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces bons enfants, il est tout seul qui reste vivant. Il dit, en plus de ça, il tient une madame extrêmement pieuse. Il dit, vous êtes capable de prendre la lampe pour aller ou aller rôder si vous trouvez un dimoun qui est plus pieuse qu'il est. Ou pas si vous trouvez. Il dit, un jour, Hazrat Bibi Fatima tout Zahra, il est dans l'état bien, bien, qu'on dit, émotionnel, bien difficile. Il fait une côte sur papa. En fait, il fait une voix de dire, Hazrat Ali, mais nous venons gagner un dimoun qui est dans la guerre, dans un prisonnier de guerre. Mais allez, il dit, mon papa, dis-lui comme ça, si tu as de moi un serviteur ou un esclave qui est capable d'aider-moi dans faire travail à la case. En fait, Hazrat Ali Karamallahu Wajahu finale, il n'y a pas de Hazrat Muhammad Sassam, il retourne, il quitte nouvelle seulement que l'on dit comme ça, mais il motive une guette. Et là, le soir, Hazrat Muhammad Mustafa Sassam, quand il retourne, il vient venir. Il vient assise contre Hazrat Ali et Hazrat Bibi Fatima, radiallahu ta'ala anha, je suis dormi, assise contre eux. Hazrat Ali dit comme ça, qu'il m'a senti la zame du Saint-Prophète Sassam, tout ce qui m'a la zame. Et là, il pose question, il dit, oh Fatima, mais qui te tient en vie? Il dit, oh mon papa. Il dit, quitte mon lame, il y a beaucoup, beaucoup de mal. Il y a une rude, une dure avec le travail qui m'a fait à la case. Mais nous avons un dimoun maintenant qui nous venons comme un prisonnier de guerre. Donne-moi un dimoun au moins, je suis capable. Pour dire, get ça, donne-moi un coup de main. Je vous dis comme ça, qui ce moment-là, qui s'en a qui un enfant, il y a une seule petite fille. Il y a une dire qu'il est sans enfant même parce qu'il n'est pas aucun issu de quand dire, mal, un garçon. Il dit, mais seulement, get le Saint-Prophète Sassam qui dit, il dit, oh Fatima, venez. Laisse-moi donner toi quelque chose qui est meilleur qu'un serviteur. Dieli oh Fatima, après chaque namaz, dans certains rapports, dire qu'il est dieli avant de dormir, dans certains rapports, dire qu'il a après namaz, c'est qu'il après namaz là beaucoup plus reliable. Dire comme ça qui après chaque namaz, beliti vous meilleur, c'est dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Certainement ça les meilleurs de ça qui te peut demander moi. Et là Hazrat Bibi Fatima fin répond, moi m'a satisfait avec Alex ce messager. Il fin commence lier ça, ce qui son papa fin dire et aussi longtemps qu'il fin reste vivant, il fin pour dire lier ça tasbila après namaz et nous tout lier par la grâce d'Allah
peut-être grâce à Hazrat Bibi Fatima Razillah Talanha. Donc nous disons capable pose nous-mêmes la question pour dire comme ça, mais est-ce qu'il y a un dimoun dans le monde qui est capable de démontrer ça, l'état d'émotion qui Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un traitement vis-à-vis d'un dimoun pauvre. Une fois Hatim Taif il vient quand il dit comme ça, il m'inquiète le Saint Prophète sallam pour dire pour guetter un petit coup la situation. Est-ce qu'il pour capable faire la paix avec les musulmans ou est-ce qu'il pour la guerre avec eux? Les gens disent souvent chef, ils disent autres comme ça. Gettez mon fin vin là, moi, sous Sadar, ils disent mon vin là. Pour me guetter, si pas ça, ça dit mon là, le Saint Prophète sallam. Est-ce qu'il vraiment y a un prophète ou ça est-ce qu'il y a les rois? Ils disent qui l'ont trouvé? Ils disent à un moment donné, ils trouvent une vieille madame venue qui vient prendre le Saint Prophète sallam là à un côté et prendre un long temps sa madame là fin cause avec le Saint Prophète sallam et le Saint Prophète sallam fin dix bouts à côté lui aussi longtemps que sa madame là qui continue. Mais là, ça dit mon là, ils disent sur mon compagnon, mais ça dit mon là, ils prennent les rois. Certainement, il y a un prophète. Parce que, sans qu'elle dit mon là, il y a un ambassadeur devant les autres peuples assis à côté de lui. Mais lui, il choisit pour le dire à côté d'une vieille madame. Et écoute-lui avec attention, aussi longtemps que madame l'a pas finalé. Troisième caractéristique qui mentionne, je passe un petit peu rapidement. Là, il dit comme ça, que ça dit mon là, le Saint Prophète sallam, il gagne beaucoup, beaucoup la peine quand il trouve un dimoun, il gagne difficulté. Alors, je vous dis que le mot Aziz, qui vient servir ici, pas seulement veut dire qu'il y a difficulté ou ça, détresse, mais il dit le mot Aziz, il sorti de sa mot Izzat là. Il dit donc, le Saint Prophète, il dit en vécu, il y a un croyant, je te fais une grande affaire. Il dit, un de l'exemple, il dit une fois, il dit, tu discutes avec un juif. Il dit, il y a une discussion, le juif là, il donne, on dit, supériorité à Hazrat Moussa, le Hazrat Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Là, là, Hazrat Abou Bakr Siddiq, il t'appelait une calotte. Sa juif là, il contre le Saint Prophète, il vient de dire, il vient de faire complainte, il vient de dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Là, là, Hazrat Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, il vient de dire, Hazrat Abou Bakr Siddiq, pas d'un prince, pas d'un mot supériorité, et les autres prophètes. Il dit, beaucoup, beaucoup de gens, quand ils sont ignorants, ils disent comme ça, qui ça, c'est vrai ça, qui est au commencement du Saint Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pas encore une supérieure, la cause qui lui donne cette instruction là. Hazrat Mohammed, Hazrat Muslim, a dit, fausse. Il dit depuis le commencement même, il connaît qu'il est supérieur à tout prophète. C'est qu'il a fait envie de montrer ce Ummat. C'est une leçon. Qui dit comme ça, dans un moment où tu as une discussion, où tu as un débat qui est chauffé, par votre service, il dit montrer mon supériorité. Il dit montrer ça avec beaucoup, beaucoup de sagesse. C'est là que vous pouvez comprendre. Là, il fait un libérateur pour une madame, il fait un libérateur pour un esclave. Et pour un esclave, il finit impose une chose extraordinaire à l'autre du monde qui est là. Il dit soit à travers bonté ou libérer les autres, soit à travers votre rançon les autres même, votre travail, votre rançon les autres, ou capable qui les autres. Il dit pour un esclave, il donne l'instruction, il dit comme ça, mais ça m'a dit monde là, ceux qui ont habillé, ou bien habillé les autres pareil. Ceux qui ont mangé, ou bien mangé les autres pareil. Il dit pour une madame, il finit libérer une madame parce que une madame, tu es humilié. Et qui lui finit dire, khairukum li ahlihi. Donc ça, c'est concernant une madame. Quatrième caractéristique qui est mentionnée, c'est qu'il dit comme ça, qu'il y a des gens qui désirent qu'ils gagnent leur welfare, qu'ils gagnent leur bien-être. Je dis ça, c'est une grande distinction ça. Il dit dans le monde, un dimoun, c'est une pratique bien commune ça. Qu'un dimoun, il est capable, lui personnellement, il trappe un principe, il reste en place, il croit que c'est un meilleur principe ça. Il dit si nous guettons, ça dimoun là, il n'est pas pour même casser sur la tête, même fatigué, c'est pas un autre dimoun peut gagner bien fait ou ça peut gagner une difficulté avec ça. Il dit, mais maintenant qu'il nous trouvait, il dit, dans le jour actuel, nous trouvons qu'il y a des gens qui sont homéopathes, je critique un docteur, un allopathie. Il dit, un docteur qui est allopathe, je critique un docteur homéopathe. Il dit, je suis allé comme ça. Il dit, je crois que chacun croit que c'est science meilleure que l'autre là. Il dit, mais Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, lui personnellement, jamais il n'est pas capable dans sa façon là. Il dit, parce que, tout le temps, il a envie qu'il y ait des gens qui gagnent leur bien-être, pas une seule qui est bon. Il dit, par exemple, il dit, il y en a l'autre qui nous besoin 10 bouts dans la namaz. Mais cela ne veut pas dire qu'il tout le temps besoin 10 bouts dans la namaz. Il dit, si un 10 bouts sur la zame malade, il est capable d'avoir 6 bouts. Il dit, si ça 10 bouts là, il est plus malade encore, il est capable même à longer faire la namaz. Il dit, donc, pas un principe qui vous oblige à rester 10 bouts dans toute la namaz. Il dit, dans la même façon, pas nécessairement qu'il vous donne une grosse somme d'argent comme ça, il est là où vous avez une bénédiction. Il dit, dans une année, vous avez donné beaucoup si vous si vous peinez, vous avez moins. Il dit de la même façon là, si vous peinez, dites tout. Si vous l'équerre pur, elle est suffisant. Il dit donc, Hazrat Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, il donne une alternative
a rosa, a hajj, a zakat. Et il finit dire qu'il demande quand c'est quelque chose qu'il est capable de faire pour qu'il est capable de faire plaisir à Allah. Et dernière qualité qu'il mentionnait, il y a un djimoun qui dit Bil mu'minina raoufur rahim. Il y a un djimoun qui montrait beaucoup de compassion et il montrait beaucoup de miséricorde. Un seul incident, je vais citer pour terminer, il dit comme ça qu'une fois Hazrat Muhammad Mustafa, il était habitué à faire ce sajda dans Namaz. Alors, il vient faire ce sajda, mais il n'est pas habitué à faire long sajda quand il veut faire Namaz, Bajamad. Alors, il peut faire namaz, il peut lire namaz. Là, un bon compagnon du prophète sallam fin trouve lui, fin reste un peu longtemps dans ce sajda. Il dit mais moi, mon lève la tête. Quand il lève la tête, il pensait que le prophète sallam peut lever. Il lève sur la tête. Il dit là, mon réalisé que le prophète sallam est encore dans prosternation. Excuse-moi. Il dit moi, là, mon reprosterné. Il dit cette fois-ci, mon fin attend quand le prophète sallam sortit dans sa prosternation et fait Allahu Akbar, c'est-à-dire dans ce sajda. Il dit après un long moment, mon temps, il fait Allahu Akbar. Je lève la main, lève la tête moi aussi. Je personne pas fin connaît. Comment les kiffer les fin prolonge ce sajda pour une longue période ça commence quand c'est pas normal. Je quand la namaz est fini les laban compagnons fin approche lui. Il dit ya Rasulullah. Est-ce qu'on dit est-ce que tout le temps on fait une namaz bien ou prosternation bien court dans la namaz bajamat. Aujourd'hui comment on a fait les longues comme ça? Qui fin arrivé? Les là Hazur dit comme ça. Hazrat Muhammad Mustafa Sassam dit comme ça. Qui m'ont dit dans l'état de prosternation, juste avant de lever la tête, il dit Hussein, c'est un petit enfant, il fait une vini, il fait une assise dans les deux. Il dit tu as envie d'assise dans les deux pour un petit moment. Et je n'ai pas envie, comment dire, désappointer, faire des sagrins. Alors, je continue ma prosternation jusqu'à ce qu'il lui-même ait une satisfaction, il quitte les deux, il sort dans les deux. Donc, ça montre quelle qualité, comment dire, compassion le Saint-Prophète Sallam tient par rapport à nos enfants. Donc, l'India aussi, montrer bonté et affection vis-à-vis de nos enfants, c'est partie de la façon d'agir, de la manière de notre prophète. Donc, ça c'est quelques un extrait de sa discours-là, il est trouvé dans un livre qui est publié par le Jamaat, une série de livres qui s'appelle Anwar al-Uloum, il est disponible. Alors, à travers ça, nous avons trouvé qu'Alhamdulillah, Allah a donné nous à l'occasion que nous acceptions Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et souvent, le Khulafa du Jamaat Ahmadiyya a expliqué nous quelle qualité est grand, C'est pourquoi nous avons ce cadeau-là, qu'Allah a dit Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabiuni. Content ça, dimoun-là. Nous ne sommes pas contents personne par hasard. Nous sommes contents d'un dimoun qu'Allah a mis dans un état extraordinaire. Dieu nous vient ce ban suivant. L'Allah pour content nous. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.